la salle Eden. Ouais. Deux grandes boxes se trouvent devant vous. Derrière l'une d'entre elles se cache la mort. Allez-vous réussir à emporter votre coéquipier avec vous dans la mort? Telle est la question. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Salut tous, c'est Lune. Du coup, comme vous avez pu le voir dans la petite intro, il y a deux boxes. Dans une des boxes, il y a la mort qui les attend sous différentes manières. La salle devra, par exemple, choisir une box. S'il rentre dans la box et voit que c'est la mort, il devra convaincre Eden de venir avec lui pour se faire tuer. S'il n'arrive pas à convaincre Eden de venir avec lui et du coup, Eden va dans la box où il y a la vie, eh bien, malheureusement pour lui, il perd un point. J'espère que vous allez kiffer le concept. N'hésitez pas à me dire... qu'est-ce que vous voulez que je mette dans les box, genre comme type de mort. Vous allez voir, on a plein de morts différentes. Je vous spoil pas. Mais en tout cas, bonne vidéo à tous. Et moi, je vous dis ciao. Ok, eh bien écoutez, c'est parti. Eden, on t'a sorti de prison du coup pour que tu participes à cette vidéo. La salle est là. Eh bien écoutez les gars, à 3-2, on fait de perfet ciseaux. Et du coup, celui qui gagnera commencera en premier. Et eh bien 3, 2, 1. Pierre. Ah bah, il a pas dit go. Ah oui, merde. 3, 2, 1, go. Ciseaux. 3, 2, 1, go. Feuille. 3, 2, 1, go. Feuille. 3, 2, 1, go. Feuille. Aïe, aïe, aïe. Alors, Eden, est-ce que tu veux commencer ou tu veux laisser la salle commencer? Non, honneur au patron, je laisse la salle, du coup. Très bien. Feuille, ciseaux, Eden, à servir rien. Eden, tu te mets en première personne, s'il te plaît, et tu regardes derrière toi pour ne pas regarder ce qu'il y a dans les cases. Comme ça? Voilà. La salle, tu peux avancer. Tu choisis la 1 ou la 2. Ok. Tu rentres dedans. Enfin, tu rentres dedans. Tu regardes ce qu'il y a dedans. Non, 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 rentre pas. Enfin, tu peux rentrer. Dans tous les cas, tu vas rentrer. Mais tu peux rentrer dedans, oui. Donc voilà, tu regardes bien ce qu'il y a dedans. Voilà. Ok. Donc tu dis pas ce qu'il y a dedans à Eden, hein, forcément. Ouais. Bon, je bouge un peu, voilà. Mais c'est juste histoire de. Pas être ouais, t'inquiète, tu peux manger. Donc, vous avez. Je mange pas, au début. J'ai dit je bouge un peu, je n'ai pas dit je mange. Ah, je bouge. Ok, je mange. Ah, je bouge un peu pour pas être exclu. Alors, attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre bazooka. Hein. Uniquement pour casser les cases, quoi. Alors, du coup, la salle. À ton tour. Bah, à toi de parler à Eden. Eden, tu restes toujours en première personne et tu regardes là-bas. Ouais, toujours. Bah... il y a un bruit d'aspirateur juste. Ouais, c'est vrai. I don't know. Alors, moi, Eden, je te conseille de venir avec moi parce que dans ma case, il y a un cargo Bob. Vu la taille, ça m'étonnerait pas. Après, est-ce que c'est du bluff ou pas? Je sais pas. Et je peux choisir l'automne, c'est ça, si je veux. Voilà, si tu lui fais pas confiance. Ça se trouve là, il va mourir, tu vois. Donc, si tu lui fais pas confiance. Tu peux choisir l'autre. Je pense pas que la salle me trahirait dès le début. Mais je comprends qu'il peut me trahir parce que je fais un peu plus de kills que lui sur Call of. Donc je pense. Même pas en plus, c'est le contraire. En plus. non, en vrai, je pense qu'il a probablement raison dans le sens où la case me paraît énorme pour. Tu vois. Donc. Cargo Bob. Mais à quoi il servirait le Cargo Bob, ça le truc? Allez, tu sais quoi, c'est la première, je vais te faire confiance, la salle. Donc tu peux me retourner? Attends. Ok. Est-ce que t'es sûr de rentrer dans la case de la salle? Oui ou non? Ouais, je suis sûr, parce que vraiment, je pense que c'est un très gros truc, ça doit être un cargo Bob, je pense. Tu penses à un cargo Bob? Ouais. Ok. Eh bah, tu peux te retourner et aller dans la case de la salle. Ouais, elle est où? Elle est de l'autre côté. Ah, t'es un malin, toi! Et bien joué, vous avez du coup. Ah ouais! Un point chacun. Bah, c'est des cargo Bob. Ouais, c'est. Et malheureusement. Il y a Bob, et la salle, Bob. Du coup, la salle avait choisi la bonne case et malheureusement, bah. Tu lui as fait confiance. Et du coup... la salle, il y a Car, il y a Go et il y a Bob. Il y a Bob. Alors, je vous invite à aller voir la deuxième case, juste pour y aller. Pour montrer aux gens, du coup, il y avait quoi dans la deuxième case? Et Attention, on ouvre! Waouh! Wow, elle est malin! C'est vraiment des rats d'égout!
Du coup, celui qui rentre dans cette case, il était mort de chez mort. Ah bah allez, c'est vous nous, pouvez hein. aller dans la deuxième ligne et ça sera du coup à Eden de commencer. Et la salle, tu te mets en première personne et du coup... Comment on fait? Ah oui, ok, on passe à droite, ok. Là, voilà, là, là. Ouais, la salle, première personne, tu regardes l'autre côté du coup. Et Eden... Ok, t'es sur l'écran ligne du coup? Okay. Tu choisis la box numéro 1 ou la box numéro... Enfin, à droite ou la box à gauche? Je vais choisir la box numéro... Enfin, surtout à gauche, droite je pense. Ou gauche? Comment? À gauche. À gauche, ok. Bah, tu prends ton bazooka, tu casses ta case. Et tu. T'analyses, quoi. Tu peux la recasser encore, hein. T'as pas cassé, je crois. Ah, ok. Ok, attends. D'accord, ok. Et donc, je peux dire à la salle ce qu'il y a, c'est ça? Bah, tu... soit tu lui mens, soit tu dis ce qu'il y a. C'est ce que tu veux, quoi. Fais ce que tu veux. Bah, écoute, dans ma case, la salle. Y'a, je pense que tu pourrais déglinguer tous les jours. Donc voilà, je t'invite à venir dans ma case si t'as faim. Y'a un Mister Tacos? Non. Mais y'a. Bah, je pense pas tous les jours tu pourras en déglinguer parce que je sais pas si t'aimes plus que ça. N'hésite, mais... n'hésite pas à te promener, donne, regarde ce qu'il y a dedans. Y'a. Voilà, y a des choses. Bah, tu peux. Oui. Y'a du manger quoi, si t'as faim. Si t'as une petite faim, un petit creux. Prends un pitch ou deux, donc voilà. Cette vidéo est sponsorisée par Pitch, les amis. N'hésitez pas dans la description, vous avez moins la 10%. La salle, est-ce que tu lui fais confiance ou non? Eh ben, je lui fais confiance. Alors, attendez, je suis sur l'écran de la salle. Du coup, tu lui fais confiance? Ouais. Eh ben, tu peux te retourner et aller dans la case de Eden Show. Aïe, 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 la salle, tu vas devoir manger des hot dogs. Et malheureusement pour vous, les gars, bah non, c'est un point chacun, parce qu'effectivement, Eden a décidé de te ramener avec lui. Et malheureusement, allez, ça vous fait un point chacun. Ok, bah vous pouvez aller du coup dans l'autre case pour montrer ce qu'il y avait. Du coup, malheureusement, il y avait la mort. Hein. Waouh, je suis sûr que ça doit être un truc bizarre, non? Tu peux voir. C'est quoi? Oh là, il y a une rampe. Ah, c'est une box noire et il y a un truc dedans. Allez-y, de... allez-y. À tout moment, il y a Pedro tout nu ou un truc ah comme ouais. ça. Voilà, vous ne pouvez plus échapper à la mort une fois que vous rentrez dans cette box. Ah ouais, c'est ok. Oh, vous calmez là. Ouais, grave là-haut. Vous et bah les gars, vous pouvez aller dans la case numéro 3. Alors, la salle, tu décides ouais. de choisir à droite ou à gauche? Je choisis là. Ok. Je suis censé décrire ce que je vois? Bah pas forcément, tu vois. Là ça mentir, déjà, je vais pas te mentir, j'entends des tanks. Non, mais, non mais parce que si je dois décrire tout ça, j'en ai pour une heure quoi. Hein? Alors il y a une petite canette, il y a un petit légume. Waouh, ok. Alors, bon. Je te déconseille de venir dans ma case parce que... Il y a un chantier, on va dire ça comme ça, il y a un chantier éducatif. ok. Donc tu me conseilles d'aller dans l'autre case alors, elle serait plus safe. Je sais pas, mais là, ici, il y a un sacré chantier. Alors Adam, je vais sur ton écran du coup. Et est-ce que tu décides d'aller dans la case de la salle ou aller dans l'autre case? Moi, je pense qu'il a, pas... il a raison, il doit y avoir beaucoup de trucs, sachant qu'on est beaucoup chez... Il reste combien de box ou... une, on sait ou pas? Encore deux, bah là c'est la troisième et du coup il vous reste encore deux après celle-là. Ok, à mon avis il doit y avoir des tanks, des trucs bizarres et des gens. Parce que j'ai entendu un tank. Donc je pense qu'ils ont visé la salle quand ils l'ont vu. Donc à mon avis je vais prendre l'autre box à Nune. L'autre box, et bah écoute tu peux te retourner et casser l'autre box. Et rentrer dedans. Une fois que tu rentres dedans tu ne peux plus ressortir de cette box, je le rappelle. Alors, bah ça va, c'est des camions de pompiers, il fait chaud, c'est parfait. Eh bah c'est bien. C'est des camions de pompiers, y a pas de, c'est pas, je peux pas mourir. Et c'est la mort, malheureusement. Un point du coup en plus pour la salle, ce qui nous fait 3 à 2. Aïe, 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 Eden, tu as été trahi par ton collègue. Hein. Non mais après il a pas dit que c'était la mort. Il y avait des pompiers tueurs, malheureusement.
les pompiers tueurs étaient là. Et du coup, bah, tu peux retourner dans l'autre case. Ce sera à ton tour de choisir. Alors, Eden, tu choisis la case numéro... Enfin, la case à droite ou la case à gauche, du coup? J'aimerais bien continuer vers la gauche, mais je sais pas si... Tu vois. Je vais prendre à droite. À droite, du coup. Alors là, attends, avant de rentrer. Ouais, pas ok. Ouais, c'est bon, tu peux rentrer. Ok. Pour l'instant, voilà. Oh, c'est joli, j'aime bien. Alors, décris-nous tout. Enfin, t'es pas obligé de... Voilà, quoi. Eh ben, écoute, la salle, il y a plein de palettes. Il y a des palettes. On dirait genre un déménagement un peu avec des statues. Donc, ouais, ça va, ça a l'air sympa. Du coup, je peux venir ? Bah, c'est toi qui vois, mais il y a des palettes avec des statues. Donc, la ouais. Salle, est-ce que tu décides d'aller dans la case de Eden ou tu décides d'aller dans l'autre case ? Bah, je sais pas, il me dit c'est toi qui vois. Bah oui, bah je te conseille de venir, bah viens. Comme ça, tu fais le déménagement avec moi. Eh ben, allez, je viens. Allez. Donc la salle, rentrez dedans. Bah voilà. nous tuez pas, on met 12 ans à revenir, la vérité, nous tuez pas, on met 12 ans à revenir. C'est bon. Waouh, alors la salle, tu viens m'aider pour le déménagement ou pas? Là franchement, tu es obligé de te faire venir. Et bah j'ai un point pour Eden. C'est trop drôle, mec, un point pour Eden, ce qui me fait 3-3, les gars. Je tiens quand même à dire un truc. Ouais. Je... Casser l'autre... est-ce qu'on peut casser l'autre, c'est quoi? Allez-y, rentrez dedans. What? C'est quoi, ça? Il y avait un combat de boxe qui vous attendait, et c'était la case normale, quoi. D'accord. Ouais. Wow. Ok, alors, le temps que les joueurs se préparent pour la prochaine, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous cacher, quoi? Non, mais je peux te raconter un truc en attendant. Oui, tu peux nous raconter un truc, mais mets-toi juste en première personne et regarde l'autre côté, quoi, en gros. Oui, mais je peux vous raconter un truc en attendant. Allez, raconte-nous là ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, à la base, avant qu'on arrive devant les cases, je me suis dit, peu importe ce qu'Eden y dit, je vais aller dans sa case, tu vois. Ouais. Après, j'ai tourné la tête à droite et j'ai vu Théo Sangoku, il a dit, oh le mytho. Donc je savais que je devais pas aller dans la case d'Eden. Ah, c'est vrai qu'il a dit, j'ai vu qu'il a mis le mytho en plus. Et après. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais pas tricher, tu vois, vu que j'avais prévu dans ma tête d'aller là-bas, je suis allé là-bas, mais je savais que c'était pas ça. Oh là là, catastrophique. Voilà, il a rien compris, frère. Alors les gars, on est parti pour la dernière case, et du coup, c'est à la salle de commencer, c'est ça? Ouais, c'est à la salle de commencer. Tu vas à droite ou à gauche, la salle? Oh putain, je fais quoi? Je me mets à la première personne du coup? Oh, je crois que je vais aller à gauche. À gauche? À gauche, ouais, à gauche. Allez. Ah ouais. Bon bah Eden, Alors attends. Ouais, dis-moi. Je vais quand même te conseiller un truc parce qu'apparemment c'est le but du jeu. Est-ce que t'aimes l'ambiance de Noël? Ouais, Jingle Bell. Ouais, donc t'aimes les cadeaux, tout ça? Ouais. Bon, alors si tu veux recevoir un cadeau, tu viens dans ma case. Et si tu veux recevoir des cadeaux, tu vas dans la case en face. Je vais venir dans ta case. Je viens dans ta case. Bah bienvenue. Allez, j'arrive. Alors du coup, tu choisis d'aller dans l'autre. Oh, 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 bienvenue, c'est Noël. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Alors attendez, stop. Ok. Oh, punaise. Alors, pour vous départager, je vais demander à tous les joueurs, parce qu'ils ont actuellement, ils sont dans quelque chose, de tous venir dans la case de Noël. Et le premier qui va mourir entre vous deux ne gagnera pas cette manche, malheureusement. Ah ouais! Ah, direct! Waouh! Ah ouais! Je pensais pas que c'était cash, quoi.
Viens, ma bande. Aïe, 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 la salle qui meurt, malheureusement. Eh, ouais, mais j'ai le plus de kills. Eh ben écoutez, bien joué, Eden. Si jamais vous avez encore une fois d'autres, d'autres idées de casques que je vais mettre, enfin, pour les prochaines épisodes, si vous voulez que je mette d'autres choses dans les casques, vous me le dites dans les commentaires si vous avez des idées, quoi. Et du coup, c'est Eden qui remporte la première manche.